grande quantité de poudre noire. On pourrait le mélanger avec la blanche là pour faire plein de grenades acides, non? On peut pas faire ça. Grenade acide dans l'angle grenade. Je crois qu'il est très proche. Il y en a de la poussière. Hein. Ça a marché. J'ai vu la différence sauf dans le 5 et 6. Sur le type de grenade. Ah! Ouais, dans les Resident Evil, enfin les anciens, ça a toujours été t'as la normale et le feu et l'acide. Et après le 3, il y avait même cryogénique, c'était pas mal. Je crois que c'était les meilleurs contre Nemesis. Progression. C'est quoi ça? Attends. Ah bah c'est là. Bon bah c'est bon, on retourne maintenant, putain, ici. On sort, on va à gauche. On descend, on retourne dans le hall, on va en face. Sauf si... Bon, pour l'instant ça va. Ça va? Putain de merde, j'avais oublié ça. Bon ben, on est vite descendu du coup, c'est pas mal, pas mal. Oh la vache. C'est, ça va plus vite comme ça, c'est bien. Attends, on peut pas y aller, c'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin, merde. Il faut aller à ces escaliers là qui sont en haut ou en bas. Ok, faut accéder par le toit. Je crois. Non, je sais pas. Oh putain, j'arrive plus à réfléchir. Honnêtement, je suis fatigué, j'arrive plus à réfléchir. J'arrive plus à savoir par où passer. Ça c'est fermé, c'est toujours fermé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va là, toi. Non, si, toi, et après on prend l'échelle. Bonne nuit, Eric. Merci d'être passé. Bon week-end. Bon week-end. Derrière. Y'a qui sur Anthem en ce moment? Ah, y'a Goldo et Saphir. On va peut-être faire du Anthem après. Après, par contre, si je fais du Anthem, je sais pas si je le ferai en live. Je pense que je vais me faire une pause, manger et puis jouer à Anthem tranquillement. Et demain, on fera un live sur Anthem pour ceux qui sont intéressés, sûrement. Donc, les escaliers.
Je crois que j'ai toujours un pass pour Anthem VIP, hein, si vous êtes intéressé. On n'a jamais posé cette planche, je sais pas. On n'a jamais posé cette planche. Ruban, ancreur, planche de bois. Un couteau. On n'a plus trop de balles maintenant. Quick draw, on en a 16. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le quick draw maintenant? Je sais pas. Combiner la poudre noire pour créer des grenades acides. Et combiner deux pour les poudres mitrailleuses. Ah ouais, non, ça noir. Alors poudre noire avec supérieur. Claire effet est bien modélisé. Elle est toujours bien. Elle est toujours bien. Elle n'a pas vieilli avec le temps. Alors, on a ça. Je sais pas quoi prendre comme arme. On reste avec ça pour le moment. Ah, je suis chiant avec ça, moi. On va utiliser cette herbe. On va sauvegarder. J'ai faim, Vroncteur. Y'a personne qui... Si tu viens me livrer une pizza et que je peux manger pendant que je stream, je streamerai Anthem. Mais j'ai faim, avant que je mange. Let's go. Alors, ah, puzzle. Tac, 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 je sais pas ce que je fais. Ah non, c'est celui-là du sound qui donne la l'électricité en fait. Il faut toujours avoir une pizza saudée. Putain, elles sont super bonnes en plus, ces pizzas saudées bowl. Ah, on arrive à quelque chose. Quelque chose. Voilà. Ça fait un cœur, c'est mignon. Oh, y'a l'autre. Il est super stylé, ce téléphone. Allô? Content de te revoir, Claire. On a une affaire à régler, toi et moi. C'est Iron? Où ça?
dans le quartier. Tu le trouveras. Chéri va bien? Pour l'instant. Espèce d'ordure, si tu lui fais du mal. Sale mioche. Si tu ne l'avais pas laissé tomber ce truc, j'aurais pu te libérer. Il est après le virus. T'inquiète pas, chérie. Tout ça sera bientôt fini. Faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Ah, on joue chérie. Échapper au chef, Irons. Non, la pauvre. Ah, elle a un des bracelets de... d'Umbrella, on dirait. La poupée, mais elle fait extrêmement peur. C'est pire qu'un zombie. Qu'est-ce que je fasse? Oh putain, il faut faire un cube. Faut récupérer un cube. Ah, attends, il y a peut-être un truc dans la poupée, en fait. Ah. Je préfère la chérie de Resident Evil 6. Ouais, comme ça, il n'y a pas de risque d'aller en prison, c'est ça? Oh non, pas des puzzles! Oh putain, tu peux les tourner en plus. Oh la vache. Il y a sûrement un truc à faire avec les étoiles, parce qu'il y en a deux, là. Ça a l'air... Eh, c'est fun, hein? Ce truc. Alors là, il n'y a pas de rond, il y, y a une étoile par contre. Là, il y a un rond.
Yes. C'est y a ceux d'en haut aussi qui comptent. Oh, il n'y a pas que ceux de face, il y a ceux d'en haut. Oh la vache. Ah bah du coup c'est plus facile en fait. Donc étoile, triangle, ça on est bon. Et là c'est rond. Et carré. C'est pour ça que je me disais, c'est quand même difficile comme ça. Ah bah voilà. Je viens de me jeter en Discord, je viens de lire que le jeu est pas 60 FPS ou 1080 sur console. Non, il est en 1080, mais il est pas à 60 FPS, même en 1080. Et sur la X, il sera en 4K, mais ça sera toujours du 30 FPS. J'aurais dû peut-être mieux l'expliquer, en fait. C'est juste qu'il n'y aura pas du tout de 60 FPS sur console, en gros. Et c'est du 4K natif sur Xbox One X. Très puissante, cette merde. Voilà. Alors sur PS4, je crois que c'est du 4K étiré, en fait. C'est pas du vrai 4K. On a le ciseau. Putain, c'était bien, ce puzzle. Ah, j'ai kiffé ma race. J'ai un ciseau. J'avais vraiment besoin d'un ciseau pour ça. Ah, tu peux t'accroupir, toi. C'est quoi cet endroit? C'est énorme! J'aime bien parce que... Le fait de s'accroupir, c'est ce qu'elle faisait dans l'original, en fait. Quand tu t'éloignais trop de chérie, elle se mettait comme ça, là. Elle t'attendait, en fait. Et j'ai remarqué que quand elle était avec moi, elle le faisait pas avec Claire. Elle la suit, en fait. Elle la suit tout le temps. Mais là, c'est pas mal le fait de s'accoupler. Ah, c'est énorme. Tu ne me vois pas. Allez, on joue. On peut jouer à la marelle. Journal de Sally. Le mercredi, c'est trop bien parce qu'on a un goûter et une glace. Je testais cela où j'étais avant. Les profs étaient méchants. On faisait que travailler encore. On avait pas de glace. J'adore cet endroit. Il y a une nouvelle règle importante aujourd'hui. Tout le monde doit écrire un journal. Allez voir le docteur, on n'a plus le droit de sortir tout seul. Du coup, j'ai plus besoin d'aller à l'école. J'ai pas envie que quelqu'un se moque de mes habits. Surtout pas le garçon qui les avait avant. Quoi? Surtout pas le garçon qui les avait avant. Le directeur de l'orphelinat va venir aujourd'hui. Alors je vais porter ma tenue préférée. C'est la carreau bleue. Mais c'est pas son journal à elle. Le directeur est grand, une moustache et policier. Il y a des carreaux bleus là. Ah, on va pouvoir monter dessus, non? Yes. Je modifierai mon poste peut-être pour le faire plus compréhensible ou je sais pas. Bon, par contre, je suis pas fan du tout de jouer des gosses et éviter de se faire repérer. J'espère qu'on va pas éviter de se faire repérer. C'est super, super glauque. Toi, il faut que je te casse. C'est ça le nouvel endroit? Ah. Mais on est où exactement?
On est à l'Orpholina, donc. Ok, ah, c'est nouveau, complètement nouveau. Jette une brique. J'y ai pensé. C'est pas révélation. Je peux peut-être sortir par cette porte. Allez, go alors. On y va. Wow, super. Mince, il me faut la clé. Ah, regarde, un alligator géant. Attends, il y a un journal. Tom, ça fait 2 mois que tu as envoyé cette lettre à Oliver et toujours pas de réponse. Je croyais qu'Oliver était différent, il était toujours mon ami, je suis stupide. On a rassemblé tous les petits et leur a raconté une histoire. Tous les enfants qui sont adoptés finissent en pâté pour les croque-mitaines. C'est pour ça qu'on n'en entend plus jamais parler. Waouh! Dis ça à des enfants de 8 ans et tout. Waouh, c'est pas mal ça. Putain, je t'aime, toi. Ah, se passe un truc bizarre ici. C'est juste à cause de l'histoire d'Anne. J'ai été dans un endroit pire qu'ici. Et l'orphelinat est financé par une grosse marque de médoc. Mais pourquoi on ne peut pas appeler quelqu'un ou sortir? Pourquoi tant de docteurs? Oh, mais c'est ça les sujets de test, en fait. Oh, dans le journal qu'on a vu vers la fin... la fin de Léon. Je crois que c'est ça, non? Il faisait des tests sur les gosses. Non? Oliver est venu au milieu de la nuit, en sale état. Il criait au secours et tout. Je l'ai même pas reconnu. Au début, son visage était comme fondu. Il est avec les profs et les docteurs. Il disait que son problème de peau, ça irait bientôt mieux. On pourra partir éventuellement ensemble comme avant. Waouh. Par exemple, là, les deux, là, ils ont l'air d'être... la Tom et l'autre, là. Je sais pas, ils ont l'air d'être proches. Je crois que ça parlait de ça à un moment. Dans les journaux qu'on avait lus. C'est la fille du maire. Il est en train de... d'en faire un... taxidermie, là. Il est en train de faire ça, en fait. Chérie, je t'ai dit de rester tranquille. À la vache. Il faut que tu apprennes à écouter. Laissez-moi tranquille. Je vous en supplie. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Tu vas me le payer. Petite peste. Viens là. Là, faut partir parce que là, il va pas être content. Ah la vache. Tu vas regretter d'avoir fait ça, crois-moi. Putain, il court vite. On a les clés ? Non, on a pas les clés. Au secours ! Que quelqu'un vienne m'aider ! Pauvre imbécile ! Y'a pas d'issue ! Je dois me cacher. Tu te caches où? Y'a Mété.
Oh, le mec, il ferme les portes à chaque fois. C'est terminé maintenant. La porte est fermée. Où es-tu? Montre-toi. Je sais que tu es ici. Plus je mets du temps à te trouver, et plus ça va barder. Entre te défoncer la gueule, si j'attends encore plus, je vais encore te défoncer la gueule plus. Ça va être bien, ça. Oh, je vénère. Oh non. Merde, je vois pas. Cette petite garce peut pas être bien loin. Putain de merde. Pas là. Excusez-moi. Attends, par où on va? Là-bas. Salut. Je te vois. Ah. Ah, y'a bêté. Fini de jouer, chérie. Non. Vous êtes pris au piège. Oh, le chef, quoi. Ok. Ah, le chef de la police, quoi. Défonce-le, là. Ah, oula. C'est un lapsus un peu bizarre. Ah, tiens, on doit refaire ça, qu'est-ce que... Y'a rien d'autre. C'est bien qu'on puisse passer les cinématiques. Où ça? C'est tellement bien. C'est tellement moche, ça. Par contre, honnêtement, je savais pas où passer, hein. Je sais pas du tout, hein. Ah, ça va plus vite, hein, quand on regarde le haut et le bas. Ça va. Ah merde. Ça va un peu plus vite. J'ai jamais rien dit de bizarre, moi, c'est ton esprit qui voit des choses bizarres. Oui, bien sûr. C'est quoi cet endroit? Si ça t'aide à dormir la nuit... Tu peux te raconter ce que tu veux. Hein. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte par là? Non, ok. Let's go. Alors, on va prendre les dossiers, mais on va pas les lire. Vu que la porte est fermée, je vois pas du tout. Enfin, franchement, j'ai pas envie de recommencer là. Si on se fait attraper encore. Genre, fallait peut-être que je passe par là. Parce que cette porte, elle est fermée. Fait peut-être que j'attende. Encore. Le mode hardcore, c'est la phase de chérie. Je peux peut-être sortir par cette porte. Mince, il me faut la clé. Mince.
journal de... Si vous lisez ça, appelez la police, les croque-mitaines sont là, ils mangent tout le monde, il y a plein de croque-mitaines. Au secours, ils arrivent, aide-moi maman. Et on peut sauvegarder là. Oh la vache, pas de ce côté. Tu vas regretter d'avoir fait ça, crois-moi. Allez-vous-en! Au secours! Que quelqu'un vienne m'aider! Bon, il faut qu'on récupère les clés. Y a pas d'issue! Je sais pas comment, mais il faut qu'on récupère les clés. Ouais, c'est reparti. C'est pour ça que j'espère qu'on va pas se faire attraper, parce que c'est refaire ça en fait, c'est attendre, c'est un peu chiant. C'est terminé maintenant. La porte est fermée. Ça doit être marrant en japonais. Je pense pas qu'elle dise Yamete quand même. Hein. Je sais que tu es ici. Pourquoi elle disait... Plus je mets du temps à te trouver, et plus ça va barder. Quoi que peut-être. Je sais pas. Ah ok, alors il a ouvert la... Il a ouvert le chemin, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça peut pas être bien loin. Putain de merde! On va attendre. Oh la vache, le mec il se met en appui et tout. Hein? Hey, je te vois! Yamete! Fini de jouer, chérie. Non ! Bon, faut bien passer alors. Ah, peut-être qu'on remonte par la trappe. Enfin, pas la... Par le... la fenêtre qu'on a pris, mais bon. Tu vas regretter d'avoir fait ça, crois-moi. Au secours! Que quelqu'un vienne m'aider! Pauvre imbécile! Y'a pas d'issue! Je dois me cacher! Ouais, peut-être qu'on peut remonter, faudra voir, je sais pas. Ou alors on peut. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas et c'est emmerdant. Parce qu'à chaque fois que je vais essayer, si c'est pas la bonne solution, je vais me faire attraper. C'est terminé maintenant. La porte est fermée. Où es-tu? Montre-toi. Je sais que tu es ici. Plus je mets du temps à te trouver, et plus ça va barder. Fais-nous confiance. Oh non. Oh non. Ça fait longtemps que je fais plus confiance à mon Chad. Hein. Cette petite garce peut pas être bien loin. Putain de merde. À gauche. Merde, fais chier. Pitié, je vous en supplie.
C'est interdit de jouer, chérie. Bref, ok, à gauche. À gauche, là. C'est où exactement, là? Un scalpel découpé en morceaux. Oh, non. Tu vas regretter d'avoir fait ça, crois-moi. Genre où à gauche? C'est vrai que le délai de Twitch, hein, c'est me dire là, ça m'aide pas du tout en fait. Faut m'expliquer clairement. C'est quand je vois là, je suis déjà mort depuis 15 secondes. C'est terminé maintenant. La porte est fermée. Où es-tu? Défoncé! Montre-toi! Je sais que tu es ici. Plus je mets du temps à te trouver, et plus ça va barder. Ça va barder. Attends qu'il t'ouvre le passage, ok. Salut Maléno. Ouma Loneo. Navi? Cette phase de R2 c'était nul, lâché, aucun intérêt à contrôler la gamine. Ah. Fallait bien la contrôler un jour. Oh, on peut se mettre là. C'est ta dernière chance, t'entends? Montre-toi. Très allez bon jeu. Très très bon jeu. On peut... Est-ce qu'il va nous voir là? Ça brûle! Yes! Ça m'est passé. Il me faut les clés. Go. Ouais, un avis sur le jeu extrêmement bien fait. Le croque-mitaine est après moi. On peut la fermer derrière nous? Ouais, on va pas, on n'a pas le temps. Après cours, je suis en train de courir déjà. Oh la vache. Les Resident Evil auraient dû être ça. Ça s'ouvre pas. Mais t'es sérieux? Salaud. Faut que les Resident Evil maintenant soient ça. Yes, vas-y, ferme. Oh la vache! Ah, c'est énorme! Viens ici, sale petite conne. Here's Johnny. Le mec il se prend pour un... pour John dans le Shining. Fini de... jouer. Maintenant je te tire. Lâchez-moi.